Ici le capitaine Kourou, cosmonaute Alice, cosmonaute Jules, donnez votre position. J'ai retrouvé la fusée. Et Alice et Jules aussi. Ils ont l'air de bien s'amuser. Ils jouent. Moi, quand je pilotais ma fusée, je ne jouais jamais. Avec mon équipage, nous atterrissions sur les planètes et partions en quête de nouvelles découvertes. Tiens, c'est étrange. Ils se ressemblent, ces verbes à l'imparfait. Bien observé, lieutenant Lily. Comme tu le sais, tous les verbes conjugués se composent d'un pronom, d'une base verbale et d'une terminaison. Explorons d'abord la base verbale des verbes à l'imparfait. On le voit ici. La base est toujours construite à partir de la première personne du pluriel du présent du verbe conjugué. À moi. Au présent, la base verbale est donc « joue ». Et c'est la même pour l'imparfait. Bravo! À l'imparfait, la base verbale est régulière. Elle reste la même pour toutes les personnes du verbe conjugué. Quand j'avais ton âge, je connaissais... Tu connaissais AIS, il connaissait AIT, et au pluriel, il connaissait AIENT. Mais nous et vous ont un I. Nous connaissions IONS, vous connaissiez IEZ. Je vois que tu sais parfaitement conjuguer un verbe à l'imparfait, Lily. Mais ça n'est pas une raison pour couper la parole à ton capitaine. Et toi, Jules, va donc aider Alice. Et plus vite que ça. Désolée, papy. Dis, est-ce qu'à l'imparfait, ce sont les mêmes terminaisons avec tous les verbes? Eh oui! À l'imparfait, les terminaisons sont régulières et identiques pour tous les verbes, même quand ils sont irréguliers. Il est parfait, cet imparfait. Pas comme Jules. À mon époque, le capitaine ne plaisantait pas avec la discipline. Et je ne plaisantais pas non plus. Il plaisantait, je plaisantais, mais on entend la même chose. On peut hésiter pour écrire la terminaison. Pense au pronom. Avec « je » et « tu », la terminaison à l'imparfait est « ais », avec « il » au singulier « ait » et avec « il » au pluriel « aient ». Bien joué, Lily! Pour conjuguer un verbe, tu dois bien vérifier le pronom « sujet » et accorder avec la personne. Dis, capitaine Papy, quand tu étais jeune, ça t'est déjà arrivé de perdre ta fusée ?